Bonjour à tous et bienvenue dans Arrêt sur Actu, journal Nabino, où ils allaient consacrer l'actualité. Mais avant Tobanda, Tokobanda nanou, naba titre. Tokobanda ba titre Nabiso, na kolela ya ba athlète malgache, où yo bazo se plaindre que baza mal nourri na jeu de la francophonie, beaucoup zoba détail nyonso na journal Nabiso. Nomination ya Daniel Lusa Dissou na tête ya ANR P a remplacé Hervé Mbelou. Tokosu ki sa titre on a biso na parquet oyo azali ko senga entretien na famille ya Chiruba Okende. Pokolanda développement na suite ya ba info na biso. Voilà, ils ont été titres de côté sico na développement, na jeu ya francophonie, ba athlète, ba soko se plaindre, ba lobi ba zolia malamouté, ba zola la nzala, cri d'alarme wana, ils ont lancé na ba athlète malgache, Bolanda. Ba athlète ya Madagascar, ba kangi moté ma ba kokite. Bango ba déclaré que na 9e GO ya francophonie, oyezo ko se déroulé na Kinshasa, bango bazali kolia malamouté. Bazo servir bango, ba repa moko ya ndambu ndambu. Or, bino mogo boyebike, sportif soko alie malamute, moyen azala performant, ezate, makasi nyonso ya nzoto, eko zalate. Ba malgache, ba lobi, koutu ke, ba komi ko rate ba medaille, po kaka, nzoto zana nzala, nzoto zana ba faiblesse, po bazo ko alie malamute, moyen ya koki mambango, ezate na kosala be form susu ezo simbate pasi pe mawa ba responsable ya francophonie ba yoki mbela ebetami ba salimbango mbango po ba bakisela basklet oyo ya Madagascar ba quantité ya biloko ba lia ba tonda oyo alingaka fufu ba bakiselie ba boule ya fufu francophonie ezangaka ba terrain de jeté toba infrastructure libumupe ezali chantier munene. Mardi oyo le 1er août Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi anomaki ba responsable ya sika na ba institution sécuritaire Daniel Lusa Dissou a komi patron ya sika ya ANRP a remplacé Hervé Mbelou. Reportage Yannick Ilunga. Na ba ordonnance ya sika oyo batangi na RTNC na tina salama, président de la République Félix Tshisekedi a bengani batu mususu na ANR, a remplacé pe bango na ordonnance. Félix Tshisekedi a nommé Daniel Lusa Dissou Kiambi neti administrateur ya agence nationale ya renseignement. Ya sika oyo a remplacé Jean Hervé Mbelou. Originaire ya Kasai, Jean Hervé Mbelou bano makiye na ran ya administrateur adjoint na agence nationale ya renseignement otobengi ANR le 19 mars 2019. Le 17 août 2019, Jean-Hervé Mbelou a zwaki initiative ya ko saisir pona ba raison ya sécurité d'état IGF pona ko réclamer audit ya ensemble de finances des ministères depuis que Félix Tshisekedi a zwa bokonzi. Dossier moko ya détournement ya 15 millions de dollars na cadre ya gestion moko ya clarté. Na somme oyo ezalaki destiné ya ko compenser ba société pétrolière suite ya komata ba prix na pompe na 2017. Na ordonnance présidentielle datée ya 7 décembre pe rendu public le 10 décembre 2021 na RTNC nde Hervé Mbelou, bano makiye, neti numéro 1 ya ANR, pour la ko remplacer Justin Izung Kakiak. Famille ya Chérubin Okende, bazo dénoncé na dernière énergie sortie médiatique ya procureur général près la cour de cassation, Bolanda. Famille ya Chérubin Okende, bazo soupçonné firmé Vendé. Oyo azali chef ya ba parquet congolais, ya kolinga kosa la diversion. Ndeko firme abimisa ki ba élément ya enquête, pe azo considéré garde du corps pe chauffeur ya Chérubin Okende loko la suspect.
pour le maître Laurent Onyemba, Oyo a saisi qui ba autorité judiciaire na kombo ya famille ya Chérubin. Communication à ta mon côté, il fallait esalema avant enquête ya ba experts internationaux Oyo il faut baya na Kinshasa. Pe maître Laurent a lobi été. Biso toyebi ke Chérubin azalaki na cour constitutionnelle avant liwa na ye. Pour nani li balingi, ba détourner opinion. Pour nako éloigner ba soupçon, nyonso ya présence na ye na cour constitutionnelle. Ka se famille a Chérubin okende, bazo interpeller mokonzi ya mboka. Pe na ba autorité judiciaire nyonso. Bango ba lingi ba mona clair na makambo oyo etali liwa ya Chérubin pe bango bazozi la kaka ba expert internationaux. Situation sécuritaire et sakaka malamu te na Beni, responsable ya mosquée ya Kilia na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni, imam Sheikh Paluku Siapa Sadala a sa portée disparu, information oyo epesami na ba ONG ya Beni. Selon Bango, ezali nde ba rebelle ya ADF oyo baza soupçonné ya enlèvement ya imam Mwana. Par recherche et sa cause poursuivre pour n'a retrouver imam Sheikh, affaire à suivre. Et ça y a quoi indakaka entre président et assemblée provinciale, Godem Poi, et gouverneur y a Kinshasa pour n'a makambouita les gestion financière y a ville depuis plusieurs mois déjà, ba fonctionnaire pe ba partenaire y a ville, baza impayé Bolanda. Li kambo ya koka mwa makambo ezo leka entre Godem Poi pe na Jantini Ngobila. Poto ebi ete bango mibale, ba banda ki koyokana très bien uta manda na bango e banda na 2019. Ata na ba crise oyo e ningisa ki ba ensemble pe ba exécutif provinciaux durant manda oyo nyonso ezana na makambo etali construction ya zando to makambo ya kinbo peto kasi bango mibale bazala kakaka liloba moko kasi yambala oyo mabe koti. Président et assemblée provinciale ya Kinshasa a tomboki makasi pe atinde le gouverneur si correspondance oyo azali kosenga ye ba justification na makambo etali gestion financière na ville ya Kinshasa. Po tisikoyo ba député, ministre, ba ONG partenaire ya assainissement ba sali déjà plusieurs mois sans bazwa ba salaire na bango. Godem Poi alobi ete, Jantini Ngobila azo jere na légèreté nyonso ba litige ya Afriland. Pe afuta mbongo nyonso ya ba crédit oyo ba député bazwaki. Pe alingi amona clair na ba fond nyonso ya ville oyo ezo uta na gouvernement central pe provincial. Godem Poi a soukisi koloba ete. Il faut basa la audit général na ba caisse ya ville pe ba bimisa ba liste ya existence ya ba agent fictif na ba liste de paye. Affaire à suivre. Denis Kadima, président ya Seni, azo koba kakase ko koba na musala na ye, malgré batu bazon di makaka te ke ba élection e kozala. Seni e bengi koutu ba candidat député provinciaux ba déposer ba candidature na bango Bolanda. Ba politicien mousousou ba komi ko pesa batu confusion pe ko tia confusion na mitu abatu po na makambo tali élection. Élection e kozala to e kozala te. Batu mususu balobi ono na sese ba politicien deja bazali koyoka na pe bazali ko prepare dialogue na glissement. Me kote seni en tout cas makamwezo kende se ko kende chaque jour seni ko sala musala na ye. Après enregistrement ya 20 000 candidats ya ba député nationaux, seni e bandi depuis le 2 août ko yamba ba candidature ya ba député provinciaux pe ya ba conseillers municipaux. Opération ya réception ya ba dossier wana ekosi la tine à fin du mois ya août oyo, c'est-à-dire le 22 août. Pona seni en tout cas
élection eko salima bolinga bolinga te eko zala bele bien atako ba parti mususu ya opposition ba boikotinda ba candidat na bango pona ba élection oyo ya ba député na oyo ya ba député provinciaux bango ba lobi ba lingi kaka nettoyage ya fichier électoral côté FCC alingi que ba changer composition ya CENI et puis ba loi o ezala ki violer na o etali makambu ya constitution ezonga na nzela mais d'ici décembre élection fwe salima tokotala pe tokoyeba comme na tango toyeba ka nini ba journaux mosusu ba lobby na tiki place na Yannick Ilunga pour na revue de presse. Bienvenue dans la revue de presse de Bisso Yamukolo Yalulu. Tobanti revue de presse de Bisso dans le journal digitalcongo.net. Dans le cadre du volet sanitaire programme national multisectoriel de lutte contre le sida dans la RDC, Oyo Tobengi PNMLS a tient à disposition yaba athlète ba préservatif na souci à éviter ba infection sexuellement transmissible. Durant la compétition Nyosoyo, il y a 9e G, il y a francophonie. Toleki na journal actualité.cd. Ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, candidat na présidentiel, a rendre public programme naïe intitulé Renouer avec notre destin de grandeur. Mercredi Oyo, 2 août 2023, na Kindu. Na programme naïe a sali projection. Il y a budget total pendant 5 ans, dans montant, il y a 90.9 milliards de dollars pour exécuter le programme naïe, ce qui va élire. Et l'ingi kolobake, à Kosala, budget annuel, il y a 18 milliards de dollars. Tout ce qui s'est revu de presse na biso na journal 7 sur 7.cd. Journée internationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ezalaki célébré mercredi Oyo 2 août 2023 na Oya. Na occasion Oyo chef de l'État a s'adressé directement na ba survivants ya ba violences sexuelles à l'obike nation na biso nation na bino plus jamais bokozala bino moko. Journal Nabiso et Sili pour Nalelo. Merci na ningi mozwa makai bele pour na kolanda biso partout dans le monde. Dokutani bongo mbala sima pour na ba info mususu. Merci et au revoir.